On se retrouve aujourd'hui à Lausanne en Suisse pour accompagner Agathe qui participe à la compétition européenne Euroskills qui aura lieu du 5 au 9 septembre à Gdansk en Pologne. Je vous emmène donc avec moi à l'EHL, l'une des écoles hôtelières les plus prisées du monde, pour découvrir son quotidien avant la compétition. Petit confus tour. C'est la cantine, donc je mange quasiment tous les midis ici. On est très très bien, très très bien équipés. So, we did have the opportunity to film and also vegan. Bon, ça va, Agathe? Oui, ça va. Okay. Merci. Bah, merci de m'accueillir ici, dans ton logis. C'est oui, cool. Avec plaisir. Donc, tu peux nous en dire un peu plus sur ton cadre de vie un peu? J'ai intégré cette école à la suite de mon BTS en France, que j'ai obtenu en 2021. J'ai la chance d'avoir la nationalité suisse, si on est en Suisse, dans une école payante, mais pour laquelle les Suisses ont des réductions très importante. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des démarches pour m'inscrire à cette école. Ici, ça s'appelle Agora, pour dire où les gens se retrouvent, où ils sont ensemble. Et puis l'arbre, il a 200 ans. On l'a repris pour montrer un peu la croissance et puis que les gens ont grandi ensemble, en fait. Et c'est un peu le symbole du campus. On a 12 food and beverage outlets. Tous les outlets sont ouverts aux externes et les étudiants et le staff. Et voilà, à la droite, on a le Oakfield, c'est surtout une salle de sport. Vous avez combien d'espace sportif ici? On a le Oakfield, le fitness center, la piscine, et puis on a deux petits studios et puis le golf. C'est ici que je vis et je suis plutôt contente parce que je suis bien ici, enfin, j'ai un super grand balcon. En été, je sors pour étudier. On a déjà fait une soirée aussi, c'était super sympa. J'ai invité 20 personnes, c'était beaucoup de travail, mais c'était cool. Tu peux décorer et faire un peu comme tu veux ou pas, toi? Oui. Les meubles, ils sont ici. Enfin, tout ce qui compte des appartements, c'est pas moi. J'ai juste ajouté un grand lit parce que j'aime pas dormir dans un petit lit. Et après, ma déco, oui, c'est ma déco. Mais les appartements sont équipés. Voilà, de base, je viens pas du métier de l'hôtellerie, je venais d'un CFA, donc je savais pas du tout si mon dossier allait être retenu. Et finalement, mon dossier a été retenu, on m'a demandé de faire un entretien, puis un deuxième entretien, puis de passer des tests d'anglais que j'ai eu. Donc j'ai été acceptée pour intégrer cette école. C'est en première année de BTS que mon professeur d'hébergement m'a repérée. Et un jour, il est venu me voir, il me dit « Écoutez, je trouve que vous avez du potentiel, est-ce que ça vous dirait de participer aux Olympiades des métiers ?» Et donc il m'a expliqué un petit peu ce que c'était, il m'a montré quelques vidéos, et là j'ai dit « Waouh, ok, c'est la chance d'une vie, c'est une seule fois que ça arrive, et c'est maintenant ou jamais. Mmh. » J'ai déjà rien à perdre, autant tenter. Et donc je me suis inscrite pour les Olympiades en fin 2019. Le sport, ça va faire du bien pour se rebooster pour le reste de la journée et le week-end qui nous attend. Ça va être encore un peu chargé. Cet après-midi, on va rejoindre donc une professeure d'hébergement ici sur le campus parce que j'ai demandé de l'aide dans le cadre de ma préparation pour les Worldskills. On va faire des mises en situation telles que je pourrais en rencontrer en concours pour me remettre un petit peu en jambes et dans le bain. Et on parle tout le temps anglais. Je vais à Toulouse la semaine prochaine, donc il faut que je sois prête aussi pour repartir à Toulouse et être avec Marie et savoir de quoi je parle. Donc là, Madame Bruce va briefer des amis à moi qui vont jouer les clientes pour les situations, pour qu'elles puissent me donner un feedback extérieur et pas d'avoir joué la cliente. Plus me donner un feedback, c'est un petit peu trop compliqué. Donc ça, c'est le, comme Madame Bruce l'expliquait, c'est le PMS. Pendant la compétition, je ne serai pas amenée à utiliser ce PMS qui s'appelle Opéra. J'aurai un autre PMS
mais on n'a pas encore eu le nom et ni la formation sur le PMS. Et donc tous les compétiteurs auront la même formation pour qu'on sache utiliser ce logiciel qui est un outil dont aujourd'hui on ne peut plus se passer dans les métiers de la réception. Dedans, on a des clients qui sont enregistrés, des clients qui sont en arrivée, des clients qui sont en départ. Et du coup, ce qui permet d'avoir des jeux de rôle le plus en fait, naturel possible. Exactement. C'est un métier de service avant tout. Et c'est un métier dans lequel l'interaction fait tout. Et c'est ce qui compte le plus d'ailleurs dans le cadre de la compétition, en termes de notation. C'est les interactions, la communication verbale, la communication non verbale qui est extrêmement importante. Et effectivement, il y a un côté humain qui est primordial. Et je pense que si je suis là, c'est parce que j'aime ces relations et ce côté humain avec les clients et avec les personnes en général. Le métier de réceptionniste, il a un petit peu... C'est pas comme certains autres métiers où ils arrivent sur site et ils découvrent leur sujet sur place. On a une plaquette dans l'établissement avec tout un environnement touristique qu'il faut qu'on connaisse. Et donc, on a eu cette plaquette il y a quelques semaines, au début du mois de mai. Et l'hôtel qui nous servira de support à nous, réceptionnistes, pour la compétition, se situe à Athènes. Et donc, je dois étudier donc cet hôtel donné et tout l'environnement touristique de cet hôtel à Athènes. C'est juste pour la compétition War Skills que tu es amené à faire ce principe de plaquette, ou alors tu dois le faire aussi de base dans ton métier? Quand on est réceptionniste dans un hôtel, on connaît notre hôtel, on connaît son environnement, mais évidemment c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure aussi, et on doit connaître l'établissement dans lequel on travaille pour pouvoir promouvoir les services de l'établissement, promouvoir des restaurants aux alentours de l'établissement et répondre aux demandes des clients. Good afternoon. Good morning. Can I help you, madame? I want to check out. Yes, sure. May I have your room number, please? Of course, 301. And your name? Charles Stanley. Perfect, perfect. So I think that you have the accommodation. We'll check your bill together. I can see here that there is the accommodation, the city tax. You have one laundry and parking. Thank you very much, Mrs. Chariot. Thank and you so we much. We wish you a safe trip back home. Thank you. Have a good day to you. Thank bye. You. Tu n'es pas très satisfaite de ce que tu as fait? Alors, je suis moyennement satisfaite. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. Après, il faut vraiment que je m'imprègne plus de la plaquette. Parce que là, j'ai fait une erreur de proposer le mauvais type de chambre qui ne permettait pas d'accueillir le nombre de personnes qui étaient souhaitées. Donc, je dois vraiment encore mieux m'intégrer et puis pour que ça vienne automatiquement et que tout soit fluide. Je trouvais que vous aviez créé une belle interaction avec le client, donc ça, c'était tout à fait bien. Vous avez essayé de retrouver le numéro de chambre là où on a eu une petite. Une petite erreur entre les numéros, c'est pour ça que vous n'hésitez pas dans ces cas-là à rechercher avec le nom et comme ça vous êtes tranquille. Vous avez bien maintenu le contact avec les yeux, donc eye contact, ça c'est quelque chose qui est important. Vous aimez bien aussi le fait, vous avez demandé comment s'était passé le séjour du client bien sûr, mais aussi comme le client n'a pas visité l'Acropolis de la prochaine fois, je veux dire de ne pas hésiter à venir vers le concierge. Après nous, effectivement à l'interne, on va regarder ce qui s'est passé, pourquoi ça ne s'est pas passé au moment du check-in. Vous avez bien proposé d'imprimer la facture. Après, la cliente vous a demandé. J'ai débarqué hier jeudi. Oui. Parce que tu avais un dossier à rendre. Oui. Ça. Tu peux expliquer un peu ce que c'est ce dossier? Oui. Mardi prochain, on va présenter donc notre Student Business Project sur lequel ça fait 9 semaines qu'on travaille. C'est l'équivalent presque d'une thèse. Notre projet fait plus de 260 pages, donc c'est énorme. Ouais. Sur 9 semaines, c'est beaucoup pour répondre à des problématiques et à des missions qui nous sont données par un client. Nous, on bosse sur une start-up zurichoise qui propose des solutions digitales pour les hôteliers. Okay. Et qui veut s'expandre en Amérique du Sud. Donc on a dû étudier tous les pays hispaniques d'Amérique du Sud, notamment via des calls jusqu'à 3h du matin, étant donné les décalages horaires. Et donc on doit leur proposer des clés de chambre digitales via les smartphones et aussi des check-in digitales. Et si vous êtes élu meilleur projet, ça vous fait quoi? On gagne des prix. On gagne le prix meilleur projet, on gagne un petit peu d'argent et on gagne différents cadeaux de la part des membres de l'Alliance et des partenaires de l'EHL. And you know, you can finally. Tu voyages pas mal alors, entre Strasbourg où tu as fait tes études, là tu es à Lausanne, oui.
Tu disais que tu dois partir à Toulouse pour voir Marie, oui. Ton experte. Oui. Tu vas aller à Athènes. Oui. C'est vrai qu'il y a quelques années, je rêvais de ça, de voyager tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai choisi l'hôtellerie, parce que je suis une fada de voyage. Maintenant, c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer d'un point de vue vie perso aussi, parce que forcément, j'ai aussi une vie. et c'est vrai qu'il faut savoir gérer et les relations donc, familiales, amicales et ma relation de couple aussi, donc à distance. Ça demande des sacrifices. Mais en même temps, c'est une période et ça me plaît et c'est ça qui me maintient et qui me donne envie de me dépasser et d'aller toujours plus loin et de faire toujours plus de choses. On est en train de préparer notre présentation orale qu'on a mardi prochain, la présentation de notre rapport. Donc on doit faire quelque chose de très organisé et parce que évidemment ça va être pris en compte aussi dans la notation, la manière dont on va présenter notre projet. Et on a environ 45 minutes à 1 heure pour le présenter. Là on est en train d'étudier la structure qu'on veut donner à notre rapport et à notre présentation. On va se partager le travail en fonction des différentes parties sur lesquelles on a tous plus ou moins travaillé pour qu'on ait ce qu'il faut pour Mars. Donc matinée sportive et productive parce qu'on est au point sur la structure qu'on va donner à notre présentation orale. Donc il n'y a plus qu'à. Et le stress commence un petit peu à monter avec la présentation orale de mardi prochain qui va finaliser ces années d'études et mon temps ici passé à l'EHL sur ce campus. Et je pense qu'on vit tous des moments un petit peu extraordinaires et hors du commun ici. Donc c'est vrai que ça va être peut-être avoir une petite larme à l'œil en quittant le campus. Après la compétition en septembre, si tout va bien, je serai encore en contrat dans un hôtel strasbourgeois. Je fais le choix de revenir un petit peu en réception et surtout d'aller travailler en réception dans un hôtel 5 étoiles parce que j'ai jamais eu l'occasion de travailler dans un hôtel 5 étoiles en réception. Ça me permet aussi d'intégrer un groupe hôtelier qui m'ouvrira des portes aux quatre coins du monde. Maintenant, c'est sûr que si je peux évoluer dans les métiers d'hôtellerie et atteindre dans 5-8 ans un poste à très haute responsabilité dans la direction, je serais ravie. Okay. Est-ce que tu voudrais conclure ou rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais remercier toutes les personnes, et elles se reconnaîtront, qui m'ont encouragée, accompagnée, conseillée, et de là je pense aux différents professeurs, je pense à mes proches, l'école ici, et tous les professionnels du métier que j'ai eu la chance de rencontrer, que j'aurais encore la chance dans le futur de rencontrer. Et bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici, d'avoir offert ce voyage à Lausanne. J'ai voulu découvrir la Suisse, donc je suis content. C'est toi, j'ai pu concrétiser ça. Que merci encore. Dans tous les cas, on va se retrouver, je pense, à la compétition au site. Mm-hmm. Et puis d'ici là, bon courage.